la famille du Bloc républicain s'agrandit dans la 24e circonscription électorale, longtemps souhaitée par les fils et filles de Zobodomé, Désiré Bodonou. Le leader du mouvement Mikli Khalodo fait son entrée dans le Bloc républicain. L'homme qui a toujours son mot à dire en politique et qui jouit de la confiance des populations s'engage ainsi avec son mouvement aux côtés du président Patrice Talon pour un Bénin prospère. Le chevronné politique plaide pour l'union. Déposons sur la rive de l'oubli les clivages et querelles intestines en ayant présent à l'esprit que le développement de notre pays s'impose à nous à travers la réalisation du programme d'action du gouvernement qui est déjà dans sa phase active. Comme pour avertir et nous sensibiliser, se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite, disait Henry Ford. C'est pour signifier que la guerre de leadership dans toute communauté ou groupe social inhibe les combats et porte en torse à la victoire. C'est sur ces mots que je déclare ce 29 février 2020 l'adhésion du mouvement Mikli Khalodo au Bloc républicain. Une adhésion qui renforce le Bloc républicain. Avec enthousiasme, l'honorable Rachidi Gbadamassi a reçu la déclaration d'adhésion au nom du secrétaire exécutif du dit parti. Dieu n'est pas ingrat, le peuple n'est pas ingrat. Votre nom désiré, c'est l'homme du peuple au service du peuple. Il vit pour le peuple, il est pour le peuple. Donc, au sein du Bloc républicain, nous vous disons, au nom de notre président, nous vous disons la bienvenue. Nous vous attendons pour qu'ensemble, on puisse relever le défi du développement. On puisse travailler aux côtés du président Patrice Talon. Avec vos dons désirés, c'est le seul qui manquait à la source. C'est le sel qui manquait. Le sel est là aujourd'hui. Nous allons déguster. Ce choix de l'homme de vision est approuvé par ses militants et membres du Bloc républicain. Ma joie est d'autant plus grande et ma satisfaction morale totale. Il a toujours donné une mention spéciale à la disponibilité des femmes. Nos idées sont souvent prises en compte. Elles sont venues pour dire à la face du monde qu'elles approuvent le choix fait par leur leader. Un honneur pour nous, en réalité, que l'honorable Désiré Bodonou puisse rejoindre le Bloc républicain. Nous, jeunes, nous sommes fiers, nous sommes contents et ce n'est qu'un renforcement. Ça renforce tout ce que nous étions en train de faire sur le terrain et je pense que la victoire sera à nous à coup sûr pour les prochaines élections. La lutte est donc engagée pour une victoire écrasante du Bloc républicain au soir des élections communales le 17 mai 2020.